Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Université populaire du cinéma. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Ballion. Voilà, Frédéric Ballion qu'on connaît bien puisqu'elle travaille à Pessac et dans bien d'autres lieux. Frédéric est docteur en sciences politiques, elle est spécialiste du cinéma américain et c'est pour ça qu'elle va notamment nous parler principalement de Clint Eastwood ce soir. Frédéric est attaché de presse du Festival du film d'histoire de Pessac depuis un certain nombre d'années. Combien ? 6 ans, voilà. Elle est également attachée de presse du Festival francophone d'Angoulême. Elle est chargée du protocole d'une très belle sélection du Festival de Cannes, puisqu'il s'agit de la sélection Cannes classique. Autrement dit, elle voit les documentaires et les films restaurés qui sont présentés à Cannes chaque année, et parmi cette programmation, souvent, on reprend certains de ces films après à l'Université populaire. Et puis, c'est la troisième fois que Frédéric intervient à l'Unipop, puisqu'elle est déjà intervenue sur les films de guerre et sur la figure du mort-vivant dans les films de Georges Romero. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui, donc ce soir, je suis toute seule, donc je suis évidemment un peu triste, mais... Car nous avions à cœur avec Audrey, donc, ce soir, de vous parler d'un cinéaste qui nous accompagne depuis longtemps et dont on aime beaucoup le travail et les films, donc Clint Eastwood. On va plutôt aujourd'hui évoquer son œuvre de cinéaste, même si, évidemment, quand on parle d'Eastwood, la figure de l'acteur, du cinéaste, de l'homme, sont assez indissociables. Mais il fallait faire des choix. Et sa filmographie de réalisateur étant déjà très abondante, puisqu'elle couvre un demi-siècle de cinéma, il a fait 48 films en tant qu'acteur et 38 en tant que réalisateur. Ce qui nous intéressait particulièrement ce soir, c'était d'entrer avec vous dans ses films pour s'approcher au plus près de la vérité de son cinéma et mettre en lumière les subtilités, les ambiguïtés qui sont souvent laissées de côté. Clint Eastwood, c'est quelqu'un dont l'œuvre est assez donc indissociable de l'image qu'il projette et dont les films sont toujours vus et analysés au prisme de cette image. L'accueil critique et public de ces films a défini un jugement qui a pu évoluer au fil du temps de façon assez spectaculaire. Mais ce qu'on a voulu simplement ce soir, c'est revenir à ces films, emprunter la longue et riche route de son œuvre, celle qui l'a conduit, film après film, à s'interroger sur lui-même et parallèlement à s'interroger sur l'histoire de l'Amérique, ses mythologies, ses représentations et son rapport à la violence. Évidemment, l'image première, l'image primitive qui lui a collé à la peau longtemps et qui revient le hanter périodiquement, c'est celle de l'homme d'action monolithique, celle du justicier expéditif, réactionnaire, voire fasciste, qui s'est forgée en fait à partir de ses premiers rôles. Cette image, qui va se fixer assez tôt, donc, le rendra longtemps infréquentable. On va voir surtout que cette image, en fait, il s'en est lui-même emparé. Je ne parle pas trop fort, ça va ? Il s'en est lui-même emparé. Et il l'a pris à bras-le-corps, il a voulu l'interroger, il a voulu la désamorcer et l'affronter. Il va vraiment se confronter à cette part de violence qu'il porte en lui et qui habite aussi l'Amérique et son histoire, celle qu'il parcourt dans ses films et dont il dresse le portrait à travers lui et ses personnages. Dans ses études en clair-obscur, il n'hésite pas à décrypter ce rapport complexe à la violence dans une œuvre instinctive et libre. C'est une œuvre qui est façonnée et parcourue de nombreuses nuances qu'on voudrait mettre ici à jour, aujourd'hui, pour faire émerger l'humanisme, la part d'ouverture à l'autre, la dimension réparatrice, qui ont toujours guidé son travail de cinéaste. Il va sans cesse naviguer entre un individualisme forcené, mais aussi avec un souci véritable de la communauté, de la filiation et de la transmission. Donc on va voir tout ça ce soir avec beaucoup d'extraits, et évidemment, on ne pourra pas baliser tous les aspects de son œuvre. Ce qu'on espère simplement, enfin je dis on, mais ce que j'espère simplement, c'est vous donner envie de voir ou revoir ses films. Et pour ceux qui pourraient être un petit peu méfiants de prime abord,
On espère aussi vous donner un nouvel éclairage. Voilà. Clinton Elias Eastwood, junior, est né le 31 mai 1930 à San Francisco. C'est un enfant de la Grande Dépression, puisqu'il naît pendant cette période de crise économique grave aux États-Unis, dans une famille de classe moyenne. Et la famille Eastwood, en fait, va un peu bourlinguer dans toute la Californie avant de se fixer à Piémont. En 1946, donc il a 16 ans, il va assister à un concert à l'auditorium d'Oakland, où il va entendre et voir pour la première fois sur scène le jazzman Charlie Parker. Et cet événement, il va véritablement fonder son rapport à la musique en général et au jazz en particulier. Il consacrera d'ailleurs un biopic à ce jazzman en 1988 qui s'appelle Bird, et film à propos duquel Noël Simsolo dira « Clint Eastwood est le seul cinéaste au monde à avoir filmé le jazz en pensant jazz. C'est un architecte, un musicien qui se pose des problèmes de forme, d'équilibre et de structure ». Et d'ailleurs, son premier film en tant que réalisateur, qui s'appelle « Un frisson dans la nuit », qu'il réalise en 1972, dans ce film-là, la musique va tenir un rôle important et des scènes seront même tournées lors du Festival de jazz de Monterey. On voit donc que dès son premier film, en fait, l'aura du jazz flotte dans l'univers eastwoodien comme un climat nécessaire. Et la musique, donc, constitue un élément fondamental du discours et de l'univers des films qu'il va réaliser. Il confiera d'ailleurs les partitions de ses films, le plus souvent à des musiciens de jazz. On peut citer Lenny Niehaus, qui va donc composer les films de Pal Rider environ à Créance de sang. On a son fils aussi, Kyle Eastwood, qui va lui-même devenir musicien de jazz, qui va composer avec Michael Stevens les bandes originales de Lettres d'Iwo Jima, Grand Torino, Invictus ou encore La Relève. Et plus récemment, Arturo Sandoval, qui lui composera La Mule et Le cas Richard Jewell. Il va donc se destiner naturellement à des études de musique, mais il va en être détourné par l'armée, il va devoir faire ses classes. Alors il ne va pas partir en Corée, mais il va rester en Californie pour les faire. Et il va ensuite occuper divers jobs, il va être maître nageur notamment, commercial. Et c'est à cette période-là aussi qu'il commence à fréquenter le milieu des jeunes acteurs. En 1954, donc, il signe un premier contrat chez Universal et décroche des premiers rôles, souvent non crédités. Donc, je les ai mis à l'écran. Il a un rôle dans Tarantula ou encore dans Lafayette Escadrille. Mais c'est 4 ans plus tard, en 1958, qu'il décroche un premier rôle significatif. C'est un rôle dans une série télé, le rôle de Roddy Yates. Donc, c'est un second rôle principal. Rewind, c'est une série télé à succès. Dans laquelle, il joue le rôle d'un cow-boy chargé de convoyer le bétail. Et c'est déjà une histoire de filiation et de transmission entre deux hommes, avec Eric Fleming qui tient le rôle principal. Le premier épisode de Rewind sera diffusé en 1959 et ils tourneront environ 200 épisodes. Et c'est une période du coup pendant laquelle ils commencent aussi à observer les méthodes de tournage et un peu s'imprégner de cela. Au printemps 1964, c'est une proposition venue d'Italie qui va tout changer pour lui. C'est un premier rôle dans un western réalisé par un certain Sergio Leone. Sergio Leone, en Italie, à cette époque-là, il a réalisé 2 péplums et il commence à monter en Italie. À son retour d'Italie, donc, sa volonté d'indépendance professionnelle va le pousser à créer sa propre boîte de production, Malpasso Company, pour notamment le tournage d'un film qui s'appelle Pandélé haut et court. Il va assurer la coproduction de ce film. Et c'est véritablement à ce moment-là qu'il va se forger son credo et ses principes de travail qui ne le quitteront plus. Qu'est-ce que sont ces principes ? Respecter les délais et le budget autant que faire se peut. Et surtout, capter la spontanéité de l'acteur en faisant en sorte que la première prise soit la bonne. Et les propres mots de Clint l'expriment parfaitement. « J'essaie toujours d'obtenir ce que je veux à la première prise. Le plus souvent, c'est la plus intéressante. Je ne crois pas aux répétitions. Il n'y a rien de pire de répéter, de tourner et de découvrir que la répétition était meilleure que la prise elle-même. » Eastwood a une façon de tourner qui privilégie la simplicité. Il va à l'essentiel.
et qui repose sur une atmosphère tout aussi simple et conviviale, voire familiale, car une autre de ses caractéristiques professionnelles, c'est la fidélité. Comme dans ses films, il va s'entourer d'une famille, d'une communauté artistique, que ce soit dans son équipe technique ou dans ses acteurs et actrices récurrents. Et en septembre 1975, il va rejoindre le studio Warner, il va installer les bureaux de sa compagnie, dans les bureaux de la Warner, et inaugurant un partenariat qui perdure encore aujourd'hui. Après ces remarques préliminaires, donc, je vais vous présenter un peu les directions qu'on avait choisies pour guider un peu cette présentation. Dans un premier temps, on va s'attarder sur deux personnages essentiels dans la construction de Clint Eastwood, à la fois comme acteur et comme réalisateur, puisqu'il a fasciné son image d'acteur et de réalisateur sous une double influence capitale, celle de deux grands réalisateurs qui sont Sergio Leone et Don Siegel, tous deux à qui d'ailleurs il dédiera son film Impitoyable en 1992. Ces deux cinéastes ont influencé largement sa représentation du héros américain et surtout le hiatus permanent entre l'image qu'ils veulent se fabriquer d'eux-mêmes, la légende à laquelle ils aspirent, et la réalité, la fragilité de ces héros. Ensuite, on commencera par entrer dans son œuvre par sa portée politique pour éclairer en fait son positionnement qui a suscité beaucoup de discussions et de fantasmes, mais qui est issu d'une philosophie radicalement individualiste et bien précise, c'est le libertarianisme américain, qu'on va expliciter et donner ensuite des clés importantes pour la compréhension de ses films. Puis on finira par dégager des motifs récurrents que son cinéma travaille. Ses films, en fait, méditent sur les mythes, sur l'histoire de son pays, sur la violence fondatrice de cette histoire américaine, tout en se situant toujours aux frontières. Le cinéma de Clint Eastwood, il se situe du côté des victimes, des exclus, et refuse systématiquement le manichéisme du cinéma classique aux frontières tranchées. Donc on va d'abord revenir sur les deux pères cinématographiques de Clint Eastwood, les deux matrices de tous les rôles qu'il va par la suite interpréter sont L'homme sans nom et Dirty Harry. Ils forment véritablement la persona eastwoodienne et constituent en fait une matière première réinterprétée sans cesse par l'acteur et le réalisateur. Donc on va commencer par L'homme sans nom, donc personnage créé par Sergio Leone. Pour son premier western, en fait, Sergio Leone il souhaite un acteur américain pour le rôle principal d'un film qu'il prépare qui s'appelle, dans un titre de travail initial, Le magnifique étranger. Il deviendra Pour une poignée de dollars. Et après les refus donc, d'Henry Fonda, de Charles Bronson et de James Coburn, on lui propose de visionner l'épisode 91 de la série Rawhide. L'épisode il s'appelle Incident of the Black Sheep, dans lequel apparaît, je cite, un jeune acteur dégingandé. Ce jeune acteur donc, joue le rôle de Roddy Yates. J'ai oublié de passer voilà, mon truc. Ce jeune acteur donc, joue le rôle de Roddy Yates, un gardien de troupeau. Donc, c'est le second rôle, comme on a dit tout à l'heure, de la série, qu'il partage avec Eric Fleming, qui lui interprète le rôle principal. C'est la première fois que Sergio Leone découvre Clint Eastwood à l'écran et il dira à propos « Ce qui m'a le plus fasciné chez Clint, c'est son apparence externe et sa personnalité. Dans Incident of the Black Sheep, Clint ne parlait pas beaucoup. Mais j'avais remarqué cette façon nonchalante et décontractée de se présenter et de voler la vedette à Eric Fleming dans toutes les scènes. » C'est cette nonchalance et ce mutisme qui caractérisent donc ce personnage de l'homme sans nom qu'il va incarner avec ses accessoires qui feront leur succès, la barbe naissante, le poncho, le gilet en peau de mouton, les bottes en daim marron et le cigare. Dans ce film, il joue un mystérieux étranger, un héros sans nom donc, qui débarque dans une petite ville mexicaine et qui s'immisce dans une guerre des clans entre deux familles rivales. C'est une sorte d'ange Gabriel, il arrive de nulle part, il finit par sauver une famille, détruire les mauvais et repartir vers nulle part. C'est presque une abstraction. Un personnage que Leone va façonner comme il va façonner Clint Eastwood, tel un sculpteur dans un bloc de marbre. Et une citation de Sergio Leone qui explique tout à fait ça. On raconte que lorsqu'on demanda à Michel-Ange ce qu'il avait vu dans un bloc particulier de marbre qu'il avait choisi parmi une centaine d'autres,
Il répondit qu'il avait vu Moïse. Je voudrais offrir la même réponse à la question « Pourquoi ai-je choisi Clint Eastwood à l'époque ?» Quand on me demande ce que j'ai vu dans Clint Eastwood, je réponds « Un simple bloc de marbre, et c'est ce que je voulais. » Clint Eastwood, lui, à la lecture du scénario, il est séduit par l'humour de Léon et par ce personnage. Il va même demander encore de réduire les dialogues de son personnage, qui était déjà bien peu bavard. Et pendant le tournage, encore une fois, il va observer les méthodes et les idées parfois déjantées de Sergio Leone. Puisqu'à l'époque, il faut le rappeler quand même, le cinéma de Leone n'est que rupture et liberté, vitesse iconoclaste et irrespect de la grammaire classique des plans hollywoodiens. Leone, en fait, il devance les mutations qui interviendront dans le western des années 70 dans le cinéma américain. Et Clint, en fait, il va apprendre trois innovations en matière de mise en scène auprès de Sergio Leone. D'abord, c'est la nouvelle représentation de la violence dans le western. Par exemple, dans le code Hays aux États-Unis interdisait de montrer un tireur et sa victime dans le même plan. Leone, lui, prend la liberté de montrer le type qui tire et la victime tombée dans le même plan. Vous pouvez le voir à l'écran. Deuxième innovation, l'extraordinaire utilisation des gros plans montré comme une étude, comme une série d'études des visages, et pour qui, en fait, pour Leone, en fait, révéler tout ce qu'on devait savoir d'un personnage. Et troisième innovation, c'est la conception sonore et musicale, évidemment, faite en collaboration avec Ennio Morricone. Pour Clint Eastwood, en fait, ils avaient vraiment outré la violence et les échanges de coups de feu, et la musique était fantastique avec de nouvelles formes d'arrangement. À sa sortie en Italie, Pour une poignée de dollars est un énorme succès au box-office. Clint devient une star en Italie et il va revenir aux États-Unis, à la fois auréolé de ce nouveau statut, mais aussi avec une ouverture d'esprit sur le monde et sur le cinéma. Il va reprendre ce rôle-là dans trois autres films et on va découvrir donc le personnage. Dans un premier extrait, on va découvrir donc ce personnage. C'est dans le deuxième film, et pour quelques dollars de plus, c'est l'arrivée du personnage et son départ. Donc l'homme sans nom, c'est un personnage solitaire, c'est aussi un anti-héros qui va participer en fait à dénoncer la corruption des puissants, comme la scène qu'on vient de voir avec le shérif de White Rocks. Vous avez vu à la fin, il jette l'étoile du shérif déchu. Et il faut retenir cette image-là parce qu'à la fin de l'inspecteur Harry aussi, l'inspecteur Harry lui-même jettera son insigne. On verra, on en reparlera un peu plus tard. Et le premier western donc, qu'il va réaliser lui en tant que réalisateur en 1973, L'homme des hautes plaines, c'est un western qui est clairement inspiré et sous influence de Sergio Leone. Le film raconte l'arrivée d'un mystérieux étranger, un homme sans nom, dans la ville de Lago. Son arrivée donc se fait sous les yeux d'hostiles, affreux, sales et méchants habitants qui rappellent donc l'univers des westerns de Leone. Le mystérieux inconnu donc semble revenu d'entre les morts puisque symboliquement il passe par le cimetière avant d'arriver en ville. Donc il revient d'entre les morts pour punir les lâches et les mauvais. Il apparaît donc au début du film dans le brouillard et il disparaît de la même façon à la fin du film. On va passer au deuxième père cinématographique de Clint Eastwood, qui est Don Siegel, réalisateur donc du film L'inspecteur Harry, sorti en 1971. Le film de tous les malentendus. C'est vraiment un film fondateur, déclencheur. Ce Dirty Harry, le titre anglais, c'est l'homme par lequel le scandale arrive, celui qui va fixer cette image réactionnaire et qui va coller aux bottes d'Eastwood pendant longtemps. En 1968, donc, il rencontre et tourne avec Donald Siegel, un shérif à New York. C'est une œuvre de transition entre le western et le film criminel, dans lequel l'homme de l'Ouest devient un flic moderne qui nettoie la ville avec des méthodes peu orthodoxes. Donald Siegel, il jouit d'une réputation d'auteur, il a été aussi monteur dans un premier temps, qui coproduit ses films, qui défend ses idées et qui ne se laisse pas faire face au studio. C'est un réalisateur rebelle, presque anarchiste, individualiste forcené, contre tout en fait, même ce qui semble progressiste. Donald Siegel, il est à la fois contre l'establishment et contre la contre-culture. C'est un des précurseurs du nouvel Hollywood, comme le seront par exemple Robert Aldrich et Sam Peckinpah.
Et de profonds liens d'amitié vont se nouer donc entre Clint Eastwood et Don Siegel, avec qui il va tourner 5 films et qui fera même une apparition dans son premier film en tant que réalisateur, donc Un frisson dans la nuit. Il jouera le rôle d'un barman. Et donc il va devenir son mentor en termes de mise en scène, mais aussi son mentor idéologique. En 1971, donc, sort l'inspecteur Harry, donc dans une période, dans la période particulière des années 70 aux États-Unis, qui est caractérisée par un contexte économique et social assez délétère, dans un climat de violence, avec l'augmentation de la criminalité notamment et de l'insécurité. Ce sentiment, il va se répercuter à l'écran avec la floraison de films policiers et de films de gangsters dans lesquels la violence trouve une nouvelle représentation. Mais cette violence-là, elle est présente dans tous les genres, en fait. En fait, il y a une profonde métamorphose et une violence crue et des scènes sanglantes sont présentes dans la plupart des films. Avec Harry Callahan, donc, les traits se durcissent. L'homme sans nom se fait un prénom, mais avec cette épithète « dirty », qui semble ramener avec lui la poussière italienne des westerns de Léon, et qu'on perd un peu dans la traduction française, puisque le titre s'appelle « L'inspecteur Harry ». Harry, c'est un policier célibataire, solitaire, impassible, qui se heurte à l'incompréhension de sa hiérarchie et qui décide de contourner les institutions qu'il juge inefficaces. C'est un justicier moderne, infréquentable, aux méthodes brutales et parfois drôles, un flic désabusé par une hiérarchie démissionnaire et une justice paralysée par les procédures. Bien que le film soit dédié aux policiers de San Francisco, le tort de l'inspecteur Harry, et là je vais citer les mots de Bernard Benoyel, est d'être contestataire, réfractaire, subversif, enragé même, sans être apparenté à la contre-culture, et même à contre-courant d'une certaine contre-culture. Bref, le tort de l'inspecteur Harry est d'être insurgé à sa façon. On va voir un extrait donc pour vous présenter ce personnage de l'inspecteur Harry, et on en reparle juste après. Donc, le film est un énorme succès public, mais il est détesté par la critique. Pauline Kael, journaliste influente au New Yorker, qui pourtant était connue pour avoir défendu les jeunes cinéastes du Nouvel Hollywood, va détester le film. Et le 15 janvier 1972, elle écrit un papier dévastateur, dans lequel elle qualifie le film de profondément immoral et accole le terme de fasciste au nom de Clint Eastwood. Elle déclare donc, elle écrit, « L'inspecteur Harry n'est évidemment qu'un film de genre, mais ce genre de film d'action a toujours recelé un potentiel fasciste qui a fini par faire surface. L'inspecteur Harry est un film profondément immoral. » J'ai mis une réponse de Clint Eastwood qu'il n'a pas fait sur le moment, évidemment, mais bien plus tard, lorsqu'il dit « Je ne pense pas que l'inspecteur Harry soit un film fasciste du tout. Il raconte juste l'histoire d'un officier frustré dans une situation de frustration générale. » À partir de là, il va vivre un véritable chemin de croix critique. Il est profondément bouleversé par ce texte, et c'est là qu'il prend conscience, en fait, de cet écart entre l'image qu'il donne et celle qu'on va lui renvoyer. Et c'est cet écart d'image-là qu'il va travailler inlassablement, de film en film, jusqu'à la combler. Ce texte écrit par Pauline Kael, il est fondamental dans sa carrière, car l'essentiel de son travail par la suite sera une façon d'y répondre. En réalité, enfin, nous, c'est ce qu'on pense avec Audrey, la figure de l'inspecteur Harry, elle est travaillée par une angoisse existentielle, une inquiétude, une pathologie presque. Il apparaît sûr de lui au début du film, et à la fin, il est ravagé par le doute. On lui pose la question « Pourquoi vous continuez ?» et il répond « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. » Et lorsqu'Harry jette son badge à la fin du film, c'est parce qu'il a perdu l'estime de lui-même. Et ça fait écho à une idée très présente dans ces films, idée selon laquelle, en fait, il existe un décalage entre les institutions et ce qu'elles incarnent, les valeurs idéales issues de la tradition et des fondements américains, et les hommes qui les incarnent, qui sont corrompus et n'en sont pas dignes. Alors, l'inspecteur Harry est en réalité une série de films, de plusieurs films, et le deuxième volet, qui s'appelle Magnum Force, c'est justement, il est justement véritablement réalisé en réponse aux critiques de Pauline Kael. Dans ce film, on a affaire à une escouade de flics qui sont des motards justiciers et qui nettoient la ville en assassinant ceux qu'ils jugent
criminelle face à l'inefficacité de la justice. Donc ce sont de véritables fascistes. Ils veulent d'ailleurs enrôler l'inspecteur Harry en lui proposant de rallier leur cause. Et on va découvrir la réponse que l'inspecteur Harry va leur faire. Donc Harry répond au jeune flic et sa réponse donc tombe. Ce sont les mots qu'on a choisis comme sous-titre de notre présentation aujourd'hui. Je crois que vous m'avez mal jugé. Cette réponse, elle s'adresse au jeune flic, elle s'adresse aussi à Pauline Kael. Il donne ici les clés de son positionnement. Il se positionne toujours à la marge, mais certainement pas du côté du pouvoir. Un positionnement donc idéologique capital qu'on va maintenant un peu plus expliciter. Depuis 1951, donc, Clint Eastwood est un fidèle compagnon du Parti républicain. C'est aussi une reconduction de l'identification partisane de ses parents, qui étaient une famille de la middle class américaine. Et c'est vrai que depuis les années 50, il vote républicain. Il a voté Nixon, il a voté Reagan ou encore Bush. Mais il n'est pas pour autant un conservateur, mais plutôt rattaché au courant libertarien. Le libertarianisme, en fait, c'est une philosophie politique qui date du 19e siècle et qui va se présenter comme la synthèse de plusieurs courants, comme la synthèse du libéralisme classique économique, comme la synthèse de l'anarchisme individualiste et la synthèse de l'isolationnisme, pardon. Avec pour point commun une hostilité vis-à-vis de l'autorité étatique. Le libertarianisme, il va émerger et se constituer en mouvement politique dans les années 60. Et en 1971, le mouvement va se structurer avec la création d'un parti, le Parti libertarien, et il va se structurer aussi autour de la systématisation d'une philosophie qui vient justifier ce positionnement inédit. Positionnement inédit parce qu'il refuse de se classer sur l'axe classique gauche-droite. En fait, les libertariens, ils seraient plutôt à gauche pour les libertés personnelles et à droite sur les libertés économiques. Et comme il le dit très bien lui-même, je suis trop individualiste pour me ranger à gauche ou à droite. Sur le plan fiscal et économique, je peux être classé comme conservateur, mais d'un autre côté, je suis très attaché à la défense des libertés individuelles. Donc, dans la lignée de l'anarchisme individualiste, le cinéma de Clint Eastwood défend les libertés individuelles contre toute forme de domination étatique ou sociétale, remettant donc en cause les institutions, souvent associées à la violence et la corruption. Les personnages eastwoodiens sont souvent d'ailleurs victimes et oppressés par ces institutions. On peut citer la police dans L'Échange, le shérif dans les westerns, comme dans Impitoyable ou Pale Rider, le gouvernement, voire même le président dans Les Pleins Pouvoirs, le FBI dans Un Monde Parfait, la CIA dans La Sanction, l'armée dans Mémoire de nos pères ou Lettres d'Iwo Jima, ou encore les médias dans Le cas Richard Jewell. Il affiche une sympathie pour les individus à la marge et les laissés pour compte, surtout s'ils sont en conflit avec le système et surtout s'ils ont l'audace d'en exposer la malhonnêteté. Lorsque Josie Wells, que vous avez vu tout à l'heure, vient proposer la paix au chef Comanche, dix ours, et dont d'ailleurs L'Échange résonne parfaitement avec la philosophie libertarienne et la méfiance envers le gouvernement, je vous ai mis L'Échange qu'ils ont. Donc lorsque Josie Wells vient proposer la paix donc au chef Comanche, il choisit le parti de la créature eastwoodienne contre toute forme d'arbitraire. Ce parti, c'est celui des Apaches des réserves dans L'Homme des Hautes Plaines. Ce parti, c'est celui des orpailleurs persécutés par le riche propriétaire dans Pale Rider. Ce parti, c'est celui du scénariste juif Pete Verril et les Boys africains aussi dans Chasseur blanc, cœur noir. Ce parti, c'est celui de Christine Collins dans L'Échange. Ce parti, c'est celui de la communauté Hmong dans Grand Torino. Ce parti, c'est celui de l'Indien Ira Hayes dans Mémoire de nos pères ou encore celui de Richard Jewell dans Le cas Richard Jewell. Ce qui est fascinant dans le cinéma de Clint Eastwood, c'est qu'il façonne sa vision de l'individualisme dans sa rencontre avec la communauté et le pluralisme américain. L'individu, en fait, il s'épanouit à travers le groupe, comme une part du peuple, comme une part de l'Amérique. L'effort individuel, pardon, il est toujours mis au service du collectif, ça c'est une constante de son cinéma. Et par exemple, dans Pale Rider, le personnage du Preacher qui
Il va inciter justement les orpailleurs à s'unir pour mieux se défendre contre l'oppresseur, l'oppresseur qui est un industriel puissant qui s'appelle Laoud. Et il va leur dire, un homme seul est une proie facile, c'est uni qu'on peut vaincre tous les Laouds du monde. On va voir un extrait juste après donc de Pale Rider, dans lequel en fait, on va voir vraiment comment la solidarité et l'esprit de groupe président à la création de la communauté et de l'idéal démocratique. Donc c'est une scène autour du feu, les orpailleurs viennent de se réunir pour prendre une décision, puisque Laoud leur a proposé un prix pour le rachat de leur concession et pour les chasser, en fait. Et donc, ils vont échanger, débattre et décider, finalement, de résister à la tyrannie. Et s'incarne vraiment dans cette séquence, donc, la naissance d'un idéal démocratique et d'un début de démocratie. Donc, l'individualisme isfoudien donc, se positionne contre l'État, mais on peut le rappeler quand même, en faveur d'une liberté d'expression totale, en faveur de la libéralisation des drogues, en faveur de la liberté sexuelle, en faveur du droit à l'avortement, du droit à l'euthanasie, du mariage homosexuel, et même, contrairement à ce qu'on peut croire, en faveur d'un contrôle des armes à feu. Il s'est déclaré aussi contre la peine de mort, et il va tourner un film à ce propos qui s'appelle « Jugé coupable », qui sortira en 1999, dans lequel il s'attaque à ce sujet, pardon, et raconte la mise à mort, l'exécution imperturbable de Frank Beecham, afro-américain, victime d'une erreur judiciaire, donc innocent et condamné à mort. Dans ce film, lui, il incarne un vieux journaliste, Steve Everett, alcoolique et déchu, qui va tenter de prouver son innocence en quelques heures. Le film semble montrer le sauvetage in extremis du condamné à mort. Pourtant, la fin ouverte du film ne laisse que peu d'illusions. On voit un Père Noël en clin d'œil à la fin, signe soulignant l'ironie donc eastwoodienne et la lucidité sur le réel sort de Frank. Il s'est toujours opposé à toute forme de racisme aussi. Par exemple, dans Créance de sang, son personnage se fait greffer le cœur d'une Mexicaine, illustrant métaphoriquement ce que représente pour lui le melting pot. Et dans Chasseur blanc, cœur noir, donc un film qu'il réalise en 1990, il va rendre hommage à John Huston, grand réalisateur américain également, avec qui il partage le goût pour les personnages névrosés, les gueules cassées et les laissés pour compte de la société américaine. Le film donc est adapté d'un livre qui raconte le tournage mouvementé d'un film qu'avait tourné Huston en 1951 qui s'appelle « L'Odyssée de l'African Queen » en Afrique centrale. Donc dans ce film, Clint Eastwood joue le rôle du réalisateur John Wilson, avatar de John Huston, un cinéaste brillant, provocateur. Et dans ce film-là, il va dénoncer le racisme de l'homme occidental et le mépris des colons blancs à l'égard des populations africaines locales à travers de nombreux personnages. Mais il va aussi un peu s'attaquer, on va dire, à l'antisémitisme en prenant la défense du scénariste Pete Verril dans l'extrait qu'on va découvrir juste après. Enfin, on va terminer sur cette partie, en bon libertarien, Clint Eastwood est aussi un athée revendiqué qui n'hésite pas à critiquer les religions. Et les représentants de la foi sont généralement, dans ses films, des personnages cyniques et négatifs. On peut juste citer peut-être le prêtre scélérat dans « L'homme des hautes plaines », l'aumônier opportuniste de la prison dans « Jugé coupable ». On peut également citer l'un des deux pédophiles qui enlève le jeune Dave dans Mystic River qui porte un signe religieux. Et enfin, le personnage du père Janovitch dans Grand Torino que Walt qualifie, je cite, de « puceau suréduqué de 27 ans tenant la main de vieilles bigotes en leur promettant l'éternité ». Voilà, on va terminer sur cette partie et puis maintenant, essayer d'aborder donc les motifs qu'il travaille dans son film. Dans ses films, pardon, puisque son cinéma, il doit être regardé avant tout comme une interrogation sur le destin de l'Amérique. Il filme l'Americana et s'inscrit dans l'héritage de John Ford, à bien des égards d'ailleurs, et de Frank Capra, tout en instillant une réflexion sur l'histoire nationale depuis la conquête de l'Ouest, en questionnant sans cesse son identité et avec pour fil rouge la question de la violence. Cette idée de la représentation de l'histoire américaine, elle est présente déjà dans un film sorti en 1980 qui s'appelle Bronco Billy,
dans lequel il joue le personnage principal. Bronco Billy, c'est une sorte de Buffalo Bill à la tête d'un petit cirque qui sillonne l'ouest des États-Unis. Bronco Billy, c'est à la fois un héros et un repris de justice, le représentant d'une Amérique disparue qu'il tente de ressusciter dans son spectacle de clown ambulant. Bronco Billy, c'est le porteur d'un rêve originel, un gamin dans une carcasse d'homme, et là je vais citer encore une fois Bernard Benoyel, un innocent compris seulement par les enfants et par les fous, un John Doe réincarné en vrai cow-boy dans une Amérique contemporaine, cynique et matérialiste. 2 ans plus tard, il réalise Honky Tonk Man, qui est une ballade funèbre et musicale pendant les années 30, donc pendant la Grande Dépression. Le film raconte le périple jusqu'à Nashville de Red Stovall, un chanteur de country, alcoolique et tuberculeux accessoirement, qui doit participer à une audition au Grand Ole au Prix, grande salle de concert connue pour la musique country. Il emmène dans son périple donc son neveu, Whit, qui est joué par son propre fils, Kyle Eastwood, et le grand-père paternel. Et sur la route, ils vont s'arrêter là où a eu lieu le Cherokee Strip en 1893. Le Cherokee Strip, en fait, c'est la plus grande course à la terre de toute l'histoire du pays, à laquelle des milliers de colons ont participé. Et donc, on va voir un autre extrait dans lequel le grand-père donc, va raconter cette ruée vers les terres de l'Oklahoma, cet épisode donc, de la conquête de l'Ouest, qui symbolisait à l'époque le rêve d'une terre promise et qui semble désormais rendue à la poussière et aux fantômes. Et donc, vous verrez à la fin de l'extrait le grand-père qui dira à son petit-fils « Tout est gâché ». Donc, il faut quand même rappeler aussi que le Cherokee Strip, c'était aussi le résultat d'une vaste politique de spoliation en fait, des tribus indiennes par le gouvernement. Et donc cette séquence montre aussi et souligne cette violence fondatrice qui hante l'histoire américaine, cette violence-là aussi qui ne va cesser de hanter le cinéma de Clint Eastwood. L'édification donc, de la nation américaine s'est bien faite hein, dans une violence fondatrice qui accompagne encore son histoire contemporaine. Ce thème central de sa filmographie va se retrouver dans beaucoup de ses westerns. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais L'homme des hautes plaines, par exemple, son premier western, il repose sur l'idée que toute civilisation se construit sur une violence fondatrice. En fait, l'arrivée du mystérieux étranger dans la ville de Lago va obliger alors chaque citoyen en fait, à révéler sa vraie nature, de lâche ou de crapule. Et la ville est surtout hantée parce qu'elle a, par le passé, laissé assassiner lâchement le shérif. Et le mystérieux étranger, donc, reviendra et fera symboliquement donc, repeindre la ville en rouge et il la rebaptisera « Elle », enfer en anglais. En démasquant donc, dans ce film toutes les hypocrisies des citoyens qui jouent en fait, aux êtres civilisés, il dénonce aussi le principe de l'autodéfense, le racisme envers les Indiens et les Mexicains aussi. Et plus généralement, il va pointer un peu l'égoïsme donc, de ce groupe social. On ne pourra pas parler de tous ces westerns, évidemment. Donc je vais passer directement à Impitoyable. Donc Impitoyable, Unforgiven, en version originale, donc impardonnable. Donc c'est son Liberty Valance, hein, dans lequel il va vraiment imprimer les faits et non pas la légende, avec un personnage qui cherche à se déprogrammer de la violence, mais qui assiste à la répétition de cette violence. Le film donc défend l'idée que la violence est tapie en chacun de nous, irréductible et impardonnable. Le film raconte l'histoire de William Money, un gunfighter repenti, mais qui redevient une brute sanguinaire en se livrant à un massacre final tel un retour du refoulé. Face à lui, le personnage du shérif, qui est joué par Gene Hackman, censé incarner la loi, mais qui est surtout lui un ancien tueur bestial et raciste. Donc dans ce film donc de violence quand même, vous allez voir, on va voir un extrait et on en parle juste après. Donc on ressent dans cet extrait très profondément le lourd traumatisme du jeune homme qui vient de tuer quelqu'un pour la première fois. On lit le choc, l'horreur sur son visage alors qu'il réalise que tout s'est arrêté en l'espace d'un instant. Et le personnage de Clint Eastwood lui répond alors
C'est quelque chose de tuer un homme, on prend tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'aura jamais. Cette phrase, ce qu'elle exprime en fait, elle fait écho à un autre film très important dont on va parler juste après de Clint Eastwood, c'est American Sniper, qui reprend plus tard ces mots presque tels quels. Dans American Sniper, donc, le personnage du sniper Chris Kyle, il est à la chasse avec son fils, et il lui dit alors que son fils est en train de pointer l'arme vers le gibier, il lui dit c'est une chose grave d'arrêter un cœur qui bat. Phrase qui résonnera évidemment d'une façon particulière dans le film, quand ce geste de l'arme pointée se répétera face à l'ennemi et parfois face à des civils. On peut faire aussi un deuxième parallèle avec un deuxième film, dont on parlera juste après aussi, c'est Grand Torino, dans lequel Tao, donc le jeune voisin du personnage d'Eastwood, lui demande « ça fait quoi de tuer un homme ?» et il lui répondra « c'est horrible, tu dois vivre avec, je ne veux pas de ça sur ton âme. » Il faut noter quand même qu'Impitoyable, c'est la consécration unanime de Clint Eastwood, puisqu'il remporte 4 Oscars. On parlait dans l'introduction de revirements critiques, parfois spectaculaires, en introduction, de la façon dont l'image d'Eastwood avait pu évoluer au fil du temps. Là, on est au début des années 90, en 92, dans le revers absolu de l'image qu'il s'était fixée dans les années 70. C'est le contre-champ parfait, c'est le sommet de la popularité de Clint Eastwood. Il devient le grand maître humaniste en repentance et le sage qui fait l'unanimité. Donc il va poursuivre cette réflexion sur la violence dans d'autres films. Dans d'autres films, oui, donc on a parlé juste à l'instant de Grand Torino. Grand Torino, c'est intéressant parce que il interprète donc dans ce film le personnage de Walt Kowalski, un vétéran veuf, misanthrope, irascible et raciste. Et ce personnage, en fait, il peut être vu comme l'image miroir et le prolongement du personnage de l'inspecteur Harry. Leurs trajectoires, en fait, elles sont inversées. Harry, lui, au début, il est plutôt séduisant, drôle, impertinent, et à la fin, il devient infréquentable. Walt, dans Grand Torino, c'est l'inverse. Il est d'abord raciste, détestable, infréquentable, et il termine sa vie dans la rédemption et le pardon. Le film, en fait, il illustre un peu le cercle de la violence, et Walt Kowalski va empêcher son voisin, son jeune voisin, Tao, d'aller venger sa sœur qui vient d'être violée. Il va l'enfermer, du coup, et il va s'offrir en victime expiatoire, puisqu'il meurt les bras en croix. Et avant d'aller s'offrir en victime expiatoire, il va expliquer à Tao que parfois, le véritable courage, ça consiste justement à refuser le combat. Et symboliquement, à la fin de Grand Torino, c'est aussi l'inspecteur Harry qui est tué. Dans le film de guerre, il va poursuivre donc cette réflexion autour de la violence. On parlera à la fin de ce cours de son diptyque sur la guerre du Pacifique, Mémoire de nos pères et lettres d'Iwo Jima. Mais on va revenir donc sur American Sniper, dont on vient de parler. Donc avec American Sniper, Clint Eastwood signe un de ses plus grands films de guerre, dans lequel il raconte la vie du sniper, Chris Kyle. Chris Kyle, c'est un ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, et qui est célèbre et connu pour avoir enregistré le plus grand nombre de morts à son actif. Chris Kyle, il incarne et symbolise cette Amérique fondée sur la loi du plus fort. Il incarne cette Amérique tout en muscles, cette Amérique pétrie de certitudes et rarement en proie aux doutes. Il est élevé au Texas, dans l'adoration des armes à feu, par un père qui lui apprend à chasser, qui lui apprend à prier aussi. Et il va hériter donc de cette conviction qu'il est prédestiné à défendre les faibles. C'est cette conviction qu'il va garder chevillée au corps toute sa vie et qui va l'emmener à s'engager dans l'armée et qui va le faire repartir au front même à 4 reprises au détriment de son équilibre mental et de sa propre famille. Dans ce film, Clint Eastwood il s'inscrit encore une fois dans les pas de John Ford. Il n'imprime pas la légende de Chris Kyle, mais il dépeint la réalité en demi-teinte d'un personnage controversé. Le personnage qu'il dépeint dans le film, c'est un personnage plus complexe et le retour d'opération est chaque fois plus difficile. En témoigne le dernier retour qu'il fait au milieu des cercueils américains, drapés de la bannière étoilée. Cette image des cercueils américains, elle a longtemps été invisible des écrans de cinéma, puisque avec la guerre du Vietnam, il y avait un tabou. On ne devait pas montrer les cercueils, donc voilà, c'est vraiment une image taboue qu'il remet
qu'il remet à l'écran. Enfin, on va terminer sur un film, Un monde parfait, qui, dans lequel, pareil, il poursuit cette réflexion. Un monde parfait, c'est un film qu'il a réalisé en 1993, bon, qui est d'abord très beau et très émouvant, mais qui est aussi très parlant en ce qui concerne l'étude de la violence que conduit Eastwood. Dans ce film, en fait, la violence, elle est partout. Elle s'est insinuée dans toutes les strates de la société américaine, dans les rapports humains, dans les rapports familiaux. La violence, elle est aussi du côté des autorités, à travers, vous le verrez dans l'extrait qu'on découvrira, à travers l'image d'un agent du FBI qui va abattre sans sommation un homme désarmé qui veut se rendre. Avant qu'on visionne cet extrait, le film va nous permettre aussi de mettre en lumière, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on voulait quand même le signaler, un élément assez capital qui va énerver le cinéma de Clint Eastwood, c'est l'assassinat de Kennedy. C'est un moment crucial de bascule de l'histoire américaine et un trauma collectif particulièrement prégnant donc dans Un monde parfait. Le récit débute à Dallas, ce jour fatidique de novembre 1963. En fait, c'est quelques heures avant l'arrivée du président Kennedy. Et le film raconte donc l'itinéraire de Butch Haynes, qui est joué par Kevin Costner, qui est un truand en cavale dans les plaines du Texas, qui a été poussé dans la voie de la violence par les circonstances de la vie. Et durant sa cavale, il va prendre en otage un petit garçon, Philippe, un petit garçon de 8 ans, pour qui il va devenir paradoxalement une figure paternelle, une figure bienveillante et même libératrice. En fait, métaphoriquement, Butch, il représente pour Philippe ce que Kennedy représentait pour l'Amérique puritaine à l'aube des années 60. Et donc, ils vont être poursuivis par une armada de policiers menés par le Texas Ranger Red Barnett, qui est joué par Clint Eastwood. Donc, un Texas Ranger solidement accroché à ses certitudes et qui, on peut le signaler, a été jadis responsable du placement de Butch en maison de correction. Donc, il est responsable, en fait, de l'origine de son itinéraire violent, entre guillemets. Et donc, le final du film, alors je suis désolée, on va voir la fin du film, va les réunir. Donc, séquence magnifique, hein. Et un aveu aussi émouvant de doute du personnage, donc, à la fin. L'assassinat de Butch, c'est aussi la perte de l'innocence qui arrivera avec cet assassinat, donc, du président Kennedy. On va passer à notre dernière partie sur la communauté et la place de l'autre dans le cinéma de Clint Eastwood. Chez Clint Eastwood, le progressisme, l'ouverture à l'autre, l'acceptation de la différence, elle ne va pas de soi. Elle demande un effort, un travail. Pourtant, il n'a cessé de tendre, depuis ses premiers films, de tendre la main et d'apprivoiser l'autre, de se placer du côté des outsiders, des victimes et des opprimés. Une des grandes obsessions de son cinéma, c'est la question de la reconstruction du corps social américain, de la communauté et du peuple américain. Il est un passeur par excellence, trait d'union entre le cinéma classique d'hier et le cinéma d'aujourd'hui, mais c'est aussi un passeur du point de vue de la transmission et de la filiation. Le cinéma eastwoodien est peuplé de pères, de mères et d'enfants en désir de filiation. On peut citer par exemple l'entraîneur Frankie dans Million Dollar Baby, qui est brouillé avec sa fille et qui va retrouver avec Maggie le courage d'aimer. On peut citer le lien presque filial qui va se nouer donc entre Butch et Philippe, comme on vient de le voir. On peut citer également Walt Kowalski et son voisin Tao, avec qui il va se trouver plus de points communs qu'avec sa propre famille et pour qui il va se sacrifier. Ou plus récemment, Earl dans La Mule, qui ne comprend trop tard l'importance de la famille, et on le voit ici d'ailleurs avec sa propre fille, Alison Eastwood. La famille et la communauté, donc, chez Clint Eastwood, est souvent recomposée. Dans Bronco Billy, par exemple, le cow-boy va réunir autour de lui une troupe d'anciens repris de justice, de bras cassés, qui vont former une vraie famille recomposée. Dans Josie Wells, hors la loi, il va agréger dans sa fuite autour de lui également une famille recomposée, les survivants d'une Amérique dévastée par la guerre de sécession. Et enfin, même idée dans Minuit, dans le jardin du bien et du mal, donc un film qu'il réalise en 1997, avec la communauté de Savannah, dans laquelle va débarquer un journaliste joué par John Cusack. Un monde où cohabitent des personnages hauts en couleur,
les vivants, les morts, les lubies et les perversions. On peut citer par exemple l'homme qui promène son chien invisible, là, une prêtresse vaudou aussi. On peut citer l'homme aux mouches et ou encore le transsexuel noir, Lady Chablis. Lady Chablis, ou selon les mots de Bernard Benoyel encore, Lady Chablis est l'incarnation d'un idéal eastwoodien, figurant soudain, en un même corps, la fusion du masculin et du féminin, une tolérance harmonieuse des différences, une communauté en soi. On va voir un extrait donc, du film donc, pour aller à la rencontre de ce personnage. Vous allez voir qu'on sent que c'est presque pour ce personnage précisément que Clint Eastwood a fait ce film. Donc la place des femmes aussi dans le cinéma de Clint Eastwood, on ne pourra pas évidemment en parler en détail, mais il convient quand même de souligner que dès son premier film, il offre des personnages principaux féminins forts. On peut donc citer la jeune Breezy dans Breezy, la boxeuse Maggie Fitzgerald dans Million Dollar Baby, on peut citer Christine Collins aussi dans L'Échange, et tous les rôles tenus par sa compagne, qui est sa compagne de longue date, Sondra Locke, et évidemment l'inoubliable Francesca Johnson dans L'Inoubliable sur la route de Madison. Sa préoccupation de l'autre va le pousser à filmer l'altérité absolue, l'ennemi. Dans le film de guerre, classiquement, la figure du japonais a toujours été celle d'un patriote fanatique, d'un tueur sanguinaire et fourbe et d'un guerrier sans pitié. Ce traitement, il va rester une constante jusqu'à Lettre d'Iwo Jima, qu'il tourne en 2007. Pour la première fois, un réalisateur américain tourne deux films donnant les deux points de vue, américain et japonais, sur un même épisode guerrier, la bataille d'Iwo Jima. En 2006, donc, il va tourner Mémoire de nos pères, d'abord, dans lequel il va s'attaquer à la question de la propagande et des mascarades du patriotisme. Le film a pour fil conducteur la célèbre photo de Joe Rosenthal, immortalisant 6 soldats, plantant le drapeau américain sur le mont Suribaki. Dans le film, donc, les 3 porte-drapeaux survivants vont être rapatriés aux États-Unis et se voir confier une nouvelle mission, celle d'aider le gouvernement à récolter plusieurs milliards de dollars en bons au trésor et donc soutenir l'effort de guerre. Pendant la préparation de ce film, donc, il a le sentiment de n'en donner qu'une version partielle, celle des vainqueurs. Donc il va profiter de la logistique en place et il prend la décision de tourner un deuxième film l'année suivante, donc Lettre d'Iwo Jima. La caméra pose alors son regard sur le camp adverse, l'ennemi. C'est un film qui est entièrement tourné en langue japonaise, avec des acteurs japonais, avec une équipe technique japonaise. Lettre d'Iwo Jima, c'est un film de guerre plus classique, au sens plus classique du terme. En fait, le film montre comment les Japonais vont organiser la défense de l'île en creusant des tunnels sous terre. On découvre aussi des soldats japonais sacrifiés sur l'autel du patriotisme. Il faut quand même mesurer la portée politique et cinématographique inédite de cette démarche. C'est un parti pris artistique et politique sans précédent. Il est le seul réalisateur américain à avoir donné la parole et un visage à l'ennemi dans le film de guerre. Jamais le clair-obscur eastwoodien, suggérant la coexistence entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal, n'aura été aussi éclatant. La photographie, en noir et blanc, tire vers le sépia et accentue les contrastes, le sable noir d'Iwo Jima et l'obscurité des galeries souterraines qui vont venir sculpter en fait les ombres sur les visages et les corps blessés des soldats japonais. Dans ce film, Clint Eastwood offre une réflexion sur l'absurdité de la guerre, sur la certitude des deux camps, du caractère juste de leur combat. Pour finir ce cours, on va voir un extrait de ce film, une scène clé, qui contient à elle seule toute l'essence de la thèse anti-manichéenne du diptyque. Cette scène, c'est la rencontre entre un gradé japonais, le baron Nishi, et Sam, un jeune soldat américain, qui vient de tomber sous les balles des Japonais. Nishi va demander à ce qu'on ramène Sam dans leur abri et qu'on le soigne. C'est vraiment un moment crucial de l'échange entre les deux camps, entre les deux films même. C'est le seul moment où un contact direct s'établit entre les deux camps. C'est une communion singulière qui fait voler en éclats toutes les barrières.
puisqu'il n'y a plus là que l'humanité souffrante. Clint Eastwood donc nous invite, en tant que témoin de cette scène, de ce dialogue entre les deux hommes. Vous allez voir, le jeune Sam est allongé, en position de faiblesse, en sang, tandis que Nishi va venir se mettre à sa portée, et ils vont être tous les deux cadrés dans le cadre à égalité. Et cet échange entre les deux hommes va provoquer une prise de conscience générale parmi les soldats, battant en brèche la notion même de guerre pour mieux affirmer l'unité du genre humain. Le jeune soldat, on va avoir deux petites scènes qui vont se succéder, le jeune soldat donc va finir par succomber à ses blessures, et Nishi va trouver une lettre de sa mère sur lui et la lire à haute voix à ses soldats. Ah voilà. On va donc terminer ce cours donc, sur la mort de ce soldat américain. La mort qui est évidemment un thème majeur en soi et qui a pris de plus en plus de plus en plus considérable dans la dernière partie de sa carrière. Dans ses derniers films, il convient de souligner la montée en puissance de la spiritualité. Clint Eastwood, il va s'interroger sur son trajet de vie, sur la mort et des questions métaphysiques qui le travaillent, avec notamment, on peut citer le film Au-delà, dans lequel il aborde la question de la vie après la mort. Évidemment, la mort, la fin, c'est aussi la question de la vieillesse, de la perte, du corps qui vieillit et s'abîme, du héros qui se craquelle. Dans tous ses derniers films, le fait qu'Eastwood cinéaste filme toujours le Eastwood acteur lui permet de tendre ce miroir à lui-même, de continuer son exploration de la psyché et de la destinée humaine à travers cette étude de lui-même et cette mise en scène de son corps d'acteur. C'est pourquoi aussi on a ces dernières années des films de plus en plus émouvants et touchants. On peut penser notamment à La Mule ou encore Cry Macho. Et on terminera avec les propres mots de Clint Eastwood qui dit « La mort, c'est le grand sujet ». Et les films que je fais sur les héros ordinaires, c'est aussi une façon de penser à la mort. Que peut-on faire pour que notre passage sur Terre ait un sens, un impact? Quel est le sens de la vie? Ma façon d'affronter la question, ça reste de faire des films. C'est pour ça que je continue. Merci de votre attention.